Bon, ça va tout le monde? Oui, nickel. Oui, ça va. Ça va toujours bien. Okay. Début de semaine. Bon, vous vous rendez compte que c'est bientôt la fin là quand même. La cam de Sinas Bug. Touchez Sinas Bug, ok? D'accord? S'il y a bien un truc qu'on regrettera pas à la fin des Héros d'Oregon, c'est la caméra et le truc de Sinas. Alors attention, roulement de tambour. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est parce que petit A, il y a eu des pesticides dans les champs? Petit B, le tonnerre. Petit C, les feux de forêt. Petit D, la tranchée n'a toujours pas été faite entre la maison et la rue. Alors, Sinas, dis-nous. Quoi? Je pense que c'est D. Ok, ouais. La dernière fois, c'était les enfants chez Sinas. Là, on va se taper ton père qui va gueuler à chaque fois qu'il y a une touche ou comment ça se passe? Non, je crois bien. Non. Et tu lui dis de calmer ses ardeurs. Attends, il y a eu quoi là? Pour qu'ils disent voilà toutes les 30 secondes. Et dès qu'il fait une passe, non, on va se taper. Marqué... Non, c'est quand il tacle. Ils ont marqué deux buts en deux minutes. C'est pour ça qu'il a crié deux fois d'affilée. Ah, ok. Non, mais il n'y a pas de viens. Là, tu lui dis de fermer sa gueule à ton daron là. C'est possible ou pas? Tu lui dis wow, il s'appelle comment déjà? Patrick. Attends, je vais lui envoyer un message. Vas-y, appelle-le aussi, appelle-le. Ok. Bouge pas. Ouais. Eh Patrick, juste deux secondes là. Ouais. Tu vas nous faire chier à chaque fois qu'il y a une passe et une touche ou comment ça se passe? Eh, on t'entend gueuler, il y a 400 personnes là. Hein? C'est deux buts, toi. C'est deux buts de suite, ça. Tu m'as accepté de fils de pute. Non, j'ai dit c'est deux buts de suite. Ma mère, la pute. Ah bah super, bah bravo. Calme-toi, s'il te plaît. Deux buts de suite, c'est pas arrivé depuis 90, non? C'est pour ça qu'on s'affole un peu. Ouais, bah tu m'étonnes. Ok, bon bah nous on va retourner travailler du coup. Bon match. Demande, c'est Payet qui a marqué. Bah, travaillez bien. Ok, à plus tard. Ciao. Travaillez bien. Travaillez bien. Qu'est-ce que cet accent m'énerve. Ramenez des bonnes notes. Ah là 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 là. Ok, encore une 42. On peut être tranquille. Ok, ils vont piquer à un moment donné, non? Mort sur site. Non. Autoroute mute. Ok, je retire mon shield et avance. Avance. Attention, passez-moi sur autoroute. Non mais Red War a des soucis de santé. Excelsior avec son taf, c'est très compliqué. Il y en a un qui faut qu'il rentre. Oh, je suis à terre. Sinas avec sa connexion, c'est impossible. Mais c'est pas vraiment sa volonté non plus, je pense pas. Pourtant, il est vraiment bon, Sinas. Ça va, puis il est vraiment monstrueux. Ouais, je pense que là... Attention, j'ai ouvert T2. C'est propre ce qu'ils font. On a un fridge, non? Fridge, ouais, fridge. J'ai la cam du blue. Vous vous rappelez du début, sérieux? Je plante ou pas? T'en as un fridge, donc tu peux pas planter. Ouais. Y en a un fridge. Si, il peut planter si tu plantes. Si tu plantes quoi, je pose la porte. Merde, mais c'est même pas ça que je voulais faire. Derrière la bombe. Oh la no luck. Last speed, tu le sais, il te reste 30 secondes frérot. Pense du compte, t'as le temps de revive. Il avance. Okay. Y'a l'aine sur vous, je pense. Faut planter les gars. Faut planter, c'est la bombe. Mais la bombe est 2 def. Vas-y, je plante. Vas-y, cover le. Ici, tu peux pas l'avoir. Ici, tu peux pas l'avoir. 50. Je sais, mais il peut pas tuer. Nice. Bien joué. C'est bien vu, les gars. Let's go. C'est quoi celui-là? Il y avait un peu de backflip. La première fois. C'est la première fois. Vous faites la stream. Vous avez compris. À part Red War qui a failli se rouler parce qu'il va le jouer le doc alors qu'on lui a jamais mangé le jeu, mais c'est pas grave. Wow. J'ai dit de pas jouer. Allez, une strat. Oh là là. Ah merde. Enfin. Non mais sérieusement, vous vous rendez compte ou quoi? Depuis le début, depuis 6 mois, ils ont jamais fait la strat comme il fallait. Et c'est la première fois que... On les déglingue, c'est archaïque. C'est pas mal et tout, c'est propre. Allez. On s'en fout des shoots et tout, machin, c'est pas très grave. Juste dans le setup, dans le positionnement au niveau du pilar, la communication, ça parlait Rainbow Six, ça ressemblait à peu près à quelque chose. Il avait pas avancé au niveau du blue, et j'aurais quand même aimé qu'il fasse un truc un peu plus simple. Plutôt que de rester dans son esprit Toto, de planter devant la porte, enfin je sais pas, le mur solo à droite, il était tellement propre. Là je serais allé planter là, moi, juste là à droite. Plutôt que d'aller me mettre à un petit endroit où tu sais pas s'il y a pas une vieille main qui va pas dépasser, tu sais, ou un truc là. Mais bon, ça allait, ça a été fait. On y va. Je sais quoi, y'a personne. À gauche, gauche, sur moi, allez. Oh putain. Il est mort, bien joué, c'est bon, allez. Reste vas-y, ça marche. Ok. Drop aussi.
Mort, Rota. Pilar, il a pas tué. Je plante défaut. Je suis mort, Pilar. Oh, je suis mort. Pilar, il a pris des balles, il est pas mort. Il a tapé Pilar. Il a terre. Ah, c'est les morts. T'as vu ? Autoroute, là. Autoroute. Sur A. Je suis Landry. T'es seul, mon fils. 1v1. Enculé. Tu l'as touché. 45 secondes. Vas-y, les, je tourne en 1v1. Chut, on l'a joué. Oh, j'ai sué du cul là un peu. Ce sprint. Oui bah c'est bon. Écoute, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Je fais la grenade à droite, décaler à gauche. Il y avait de l'idée. Il y a moyen. Prendre surtout Mickey. Non, on s'en fout. Ouais, l'idée était là. Le game set c'était bon. Bon, j'aurais préféré que la grenade roll au niveau de l'autoroute quand même. Plutôt que d'aller décaler, d'aller la balancer dans le fridge. Ma petite madame. Franchement, elle était pas mal. C'est pas une dictature. Mais si c'est une dictature, White Knight. Arrêtez de dire que c'est pas une dictature dans le chat. C'est une dictature en fait. Ici. Et du coup, vous vous dites, il est marrant. Non, c'est une vraie dictature. Ok. Il y a pas de démocratie. Bon, bah alors. Je suis un dictateur. C'est quoi le souci? Évidemment, ça vous irrite parce que dans vos cours de seconde, de la Seconde Guerre mondiale, ce que vous avez vu, etc., vous dites bah, c'est une dictature ici. Elle est avérée, etc., machin. Et avec un chat contrôlé par la police qui est légèrement tyrannique. Mais c'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça. Ok? Ah, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Ça vous dire c'est une dictature. Ouais, bah oui. C'est pas démocratique un chat. Le principe, c'est que c'est mon chat avec des surveillants qui ont des consignes, les amis. Faut pas croire qu'ils agissent en solo et en rogue. Ça arrive, la hein. Meeting, la scène ils ont des consignes et des respects. Y'a pas de discussion possible. On passe à autre chose. A chaque fois, c'est comme ça chez nous. Allez, Oza est bien posé. Meeting, les gars. Pardon. Allez, on veut planter là. Y'en a une petite pièce. Plante, Excel. Faut que Verrel. Mais arrête. Closette. Mais barre-toi. Il était pas rouge. Où ça? Ah, mais. Tu peux traîner une plainte. J'avoue, c'est un peu relou ça. Red, tu peux traîner une plainte. Y'en a un fridge. Il va falloir que tu le coupes comme tout à l'heure. Voilà, on peut revenir sur un truc, les amis. Parce que voilà exactement ce que ça provoque à chaque fois. À chaque fois, c'est toujours la même chose. La raison pour laquelle on l'a fait, faites-nous confiance. On est des professionnels du chat et on est des professionnels de Twitch depuis 5 ans. 75. Les consignes qui sont données, c'est justement pour éviter ça. On n'a pas envie de parler pendant 3 heures de ce que vous pensez des règles, en fait. Il était bleu. Vous les respectez ou vous partez. Et on comprend que vous puissiez partir, moi ça me dérange pas. À droite, plus à droite, yes. Est-ce qu'on est clair maintenant? Elec, bouge pas. Nice! Oh! Moi je l'entendais, Elec! Elle est belle la tête! Non, Elec. Nice, Naz. Les gars, je vous jure, je suis mort. J'avais même plus le sigle du sort. Du shield là ou pas? Non. C'est notre shield. Non. Nito, le mur à ta gauche là, celui à gauche du mur que tu renforces. Renforce-le, le mur que tu renforces, mais le mur à gauche ne renforce pas. La prochaine fois, dans l'axe du trou que tu as fait, laissez un shield. Au moins à votre niveau, faut quand même commencer à être agressif vers l'armurerie quoi. Ok. Ça doit être cassé ça. Shotgun de Kaïd dedans là. Et là, en fait, il y a une place quand tu regardes vers l'armurerie. Ouais, mais recule parce que là, du coup, s'ils ouvrent la tique, tu peux pas le jouer. Voilà. Et ben ici, t'imagines un shield devant toi et ça se joue ça. Ok. Ici on met un shield, ok, ici, ok. Non, on met un shield. Oui, okay. Environ le shield, c'est pas tout à fait là, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs. Non, Sinas, non. Là, la porte que t'as là en face, ouais. Celle-là. Ok. Ouais, tu les obliges. Pourquoi? On m'a un peu fermé la porte au nez. Tu peux faire les deux si t'en restes un. Pourquoi tu viens pas avec moi, mon pisse? Et mets une alarme au niveau du flag. Parce qu'on m'a bloqué, on m'a fermé la porte au nez. Et ouvre la trappe au-dessus de toi. Bah tu la réouvres. Je vais jouer le top kitchen. Mets une alarme dans le flag, au-dessus du flag. Je vais jouer le top kitchen. Voilà, nice. Ouvre la trappe de l'EDF pour des rotas late game. Tu peux mettre un cassette si tu veux là. Non, il veut prendre la ligne vers le 90, il y a une petite ligne à prendre. Va ouvrir la trappe EDF, Sinaz, EDF, Sinaz, Sinaz, EDF, c'est dans le meeting. Dans la scène. La scène. Eh ben c'est ouvert. Ah okay. Ouais bah non. Ouais. Le lag il est mental aussi ou quoi? Ok, attendez, yellow. Va derrière, recule, va au niveau, voilà, tu vois la librairie là? Va à côté, va derrière l'armoire de la librairie, de l'autre côté à gauche. Fais des trous avec ton... Voilà, merci. Mais d'abord, tu peux aller jouer la scène, et après, en late game, tu reviendras là, ok? Va faire ton petit truc en dessous de ton castle, là, t'aimes bien. Voilà. Si t'es tué, il est mort, il est tué. Sur B, ça a pété là, quand même, c'est passé. C'est que. La plante.
La merde ça. Et aucune cam. T'as plein de kitchen. Mais frère, d'où je suis repéré à travers la smoke Allez, vous pouvez reprendre le même, vous pouvez refaire la même chose, etc. Mais soyez plus attentifs sur les gens qui attaquent au niveau du meeting. La CCTV, c'est imperdable. Qui est mort CCTV? C'est moi. Eh bah, tu donnes le round. Tu préfères que ça, tu as entendu. Bravo. Ok, ouais. Qui est-ce qui est pas... T'es mort par où? Là, ils m'ont push dans la sécu. Ils t'ont push à l'intérieur de la sécurité. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Vous refaites la même et bah, ils te pousseront pas à l'intérieur de la sécurité. Okay. Mopiz, mets-lui un lésion à l'entrée de la sécurité, là. Bah, je lui en avais mis un. Ah, bah, il est con comme une bite, que veux-tu. Ok, tu veux en mettre un autre, Mopiz? À ton avis, quel est l'endroit le plus emmerdant pour lui quand il va vouloir décaler au niveau de la porte de la CCTV? Prends ton lésion, mets-lui dans l'Esca White en face. Non, en bas, ouais, Freezer. S'il y a un mec qui remonte, c'est vraiment relou. Pas grave, on s'en fout de lui. Mets un lésion là. Non, dans l'Esca, j'ai dit. Parce qu'autrement, il a pas le temps, là. Voilà. Parce que s'il y a un mec qui remonte du dessous, il sera alarmé. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Excelsior, mets-toi au niveau de la porte de la CCTV. Ouais, attends, j'arrive. La petite ligne 90, là, tu peux la prendre. Porte, tac. Voilà, celle-là, ok? Et là, t'es pas trop mal parce que derrière, t'as lésion. Au début, en early game, tu peux même aller dans le Z un peu, tu vois. Mais faut faire gaffe. Ok. Faut que t'aies la contrôle de la caméra 90, etc. J'ai vu ses pieds. Allez, mort. Super ça. Ça joue, c'est que. Tu vas combien ou pas? T'as besoin de décaler zéro là. T'arrêtes de décaler, bordel. C'est à eux de venir te chercher ou pas? Tu parles à moi ou pas? Non, je parle à Excelsior qui fait des décales là. J'ai envie de lui mettre des grandes baffes dans la gueule. Excel fait gaffe. Stop! Voilà Excelsior. C'est ça, garder une power position. C'est arrêter d'être greedy. Ok. Qui est-ce qui. Comment ils te jouent là? S'ils savent pas si t'es à droite ou à gauche en rentrant. Bah là, ils le savent là. Hein? Ils le savent avec le grim. Oui, mais c'est pas grave ça. Décale, recule là. Bouge, machin. On s'en fout ça. Oh. Ah, désolé, je te parle. Mais bon. Là, c'est pas grave. Ok. C'est que les gars, y'en a qui est passé flag. Il est rentré, Kitchen. BP. Sur ping 2 toujours. Bien joué, belle revanche. Ouais, il y avait juste à le laisser planter. Il y a même pas à le jouer, pas à le décaler et tout, machin. Des petits pré-shots en prenant l'info pour essayer de savoir quand même où il est, d'accord, ok, je veux bien, mais tu joues pas ton duel. Personne ne joue son duel sur un 3v1 comme ça. Meilleur moyen de faire en sorte que le 3v1 se transforme en 1v2, puis en 1v1, puis il balance ses highlights sur YouTube. Non, vous planquez et vous le laissez accéder au site par un endroit que vous contrôlez et vous le laissez aller planter. Et au moment où il plante, vous intervenez. En gros, c'est un peu ça l'idée. Sauf si vous êtes obligé de jouer votre duel, parce que bah vous savez bien que vous êtes sur son chemin pour aller jusqu'au site, bien évidemment. Ou pour récupérer un bomb site, un diffuse, parce que vous avez posé un diffuse. Voilà quoi. Allez, en avant. Ouais... Non, je vais renfort, c'est trop dangereux. Non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu renfort? Jamais. C'est encore plus dangereux de renfort. Je sais jamais où me mettre sur ce BP, putain de merde. Leur douche, nomade. Tu veux défendre quoi? Là, stop, ici. Parfait, impeccable, super situation. Tu vas mettre la pression pour le... Ils vont ouvrir la trappe, là. Tu peux mettre un peu la pression, etc. Péter des drones, machin. Et les obliger à balancer du stuff, puisque tu vas t'en machiner. Dès que tu vas entendre une grenade, bah tu recules. Ouais, et après, ouais. L'autre possibilité, c'est autoroute. Va dans l'autoroute. Contact à droite. À la droite de Sinas, là. Voilà, là, c'est une super pause, ça. Parce que tu peux jouer le DF, t'es pas mort. Exact, voilà. Et, tu vas contre ces là et le défaut. Pardon. More main. Ok. Un jeu fridge. Reviens à la première que je t'ai dit. T'as pas besoin d'y aller là. Je rota pour prendre les fridges différemment. Moi je suis bloqué là. Et... Je suis blanc. Toi, pilier. Pilier. Oh oui. J'ai pas de cam les gars pour vous. Mort, pilier. Bien joué. Tu sais, y'en avait un qui était fridge. Tu fais quelque chose là, tu bouges pas. Plan de défaut. Oh, dommage! Comment il savait par contre? Mais oui. Je sais pas, bad timing, je sais pas. À ce point-là? Ok. Oh, peut-être qu'ils avaient l'info en vrai, hein. Je sais pas. Non, ils pouvaient pas avoir l'info, mais. Okay. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Bah, go 1v1. Je dis au revoir, Sinaz, à Red War et à Excelsior, les amis. Yes, ciao. Merci coach. Yes. Merci à vous les poulets. À la prochaine les gars. Et la semaine prochaine, bye bye. Ciao. Ok, 1v1.